Bonjour tout le monde, c'est Tom Thèse. On se retrouve pour la suite de Monster World et je suis retourné là où j'ai perdu. Et c'était juste avant le boss, visiblement. Et vraiment juste avant. Ok. Les Payou. Ok, il fait rien. Ah bon, par contre, j'ai pas. Bien compris ce qu'il fait le gars. Bon bah je sais que je suis mort mais laisse moi au moins espérer, merci. Ok, j'espère juste que c'est pas un mini boss. Allez hop. Punaise, comment je résiste. Bah heureusement que c'est le deuxième boss du jeu. N'empêche, son design est quand même stylé. Aïe, il a feinté. Ok, il faut juste ça un petit peu plus tard. Voilà. Il recommence. Ah voilà. Bah parfait. Ah, je gagne une grosse bombe. Faut utiliser la grosse bombe. Trop bien. Alors du coup. Hop. Bon, dans la, tant pis, hein. Ouais, bon. Je vais y aller. Mince, c'est pas sympa. J'aurais dû sauvegarder après le boss. Oui, je me donne les moyens de gagner, je sais. Allez, viens le monstre. Voilà. Je suis la grosse flèche. Voilà, le petit cœur qui fait du bien. Ok, il va falloir une bombe. Qui sera là, là-dedans, je suppose. Punaise, j'ai failli me faire frapper. Voilà. Ah bah tiens, le monsieur de la sauvegarde. J'ai gagné une bombe, ouais. Bon bah, il y a le monsieur de la sauvegarde, je peux faire une vraie sauvegarde. Tchac, tchac. Tchac, voilà. Oui. Et ça fait save clock le jeu. Mince. Je comprends pas pourquoi. C'est très bizarre. Tchac. Ah oui, super méchant les monstres. Tchac, tchac, tchac. Dépêche. Et là, je vais me faire frapper, ça va être impressionnant. Ouf. Oh le bol. Là, il va y avoir un truc sur la route. Oula. On doutait tellement. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Un peu de sous, ça fait du bien. Oula. Du calme, les fantômes. Poussez-vous, merci. Pepe Logo, t'as un petit peu... Ah là, c'est mieux. Ok, là, va falloir être précis. J'ai pas envie de me cramer les fesses. Mince. Ça, c'était pas sympa.
Hop. Check. J'ouvre le coffre. Ok. Allez, tape. C'est bon, je reviens, j'ai fait un petit cœur par contre. Tu peux orienter de la droite à gauche quand son bouclier est levé. Ok. Check, 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 check. Mince. Hop, 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 hop. Bon, j'ai 4 cœurs. Faudra pas y gaspiller. Alors. Oula. J'avais pas du tout vu ce coffre. On va plus que retourner à l'endroit où on était. Bon, eux, je vais juste les esquiver. Hop. Ah bah voilà, là c'est full vie, là c'est bien. J'ai reçu un dégât pour rien. Ok. Alors, je redescends. Voilà. Check, 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 check. Bon, ça c'était pas sympa. Parfait. Ouais bon, la prochaine fois je ferai quand même plus gaffe. 1, 2, 3, 4. Nickel. 아 bah par contre le grand cœur il fait plaisir, ça veut dire qu'il va y avoir un boss. Donc paf paf.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mince. Alors, 1, 2, oula. Ok, ça va être un peu plus chaud. Sans mauvais jeu de mots. Ah purée, je l'avais pas vu, le traître. Alors. Voilà. Là, je vais bien me protéger avec mon truc. Le cœur qui fait du bien. Tac. Je sais même pas s'il protège en fait. Déjà, là il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a? Un lingot d'or. Ok. Ça paraît pas mal. Alors, ok, je ferai pas la même gaffe deux fois. Ah punaise, il y a toujours un qui me hante, c'est impressionnant. C'est pas sympa. Et hop. Hop, 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 mince. Voilà, on fait gaffe aux fantômes. Un. Deux. Oh non, le truc il a popé dans le mur. Hop, hop. J'espère qu'il y aura un truc intéressant. C'est intéressant. Ah, ça c'était pas cool. Oh non, le truc il pop encore à l'intérieur du mur, c'est pas cool. Du tout. 1, 2, 3. Oh punaise, le passage de l'enfer. Tant pis, je casse pas tout, je passe. Rien à faire. 1, 2. Voilà. Je suis vexé. Voilà, j'achète 3 cœurs. C'est pas mal. Je vais faire une sauvegarde rapide ici. Non, une vraie sauvegarde. Save state as, c'est mieux. Voilà. Tchac, tchac. Ouais, bon, par contre, si les fantômes sont aussi méchants que ça, ça va pas le faire. Ouais bon, hop, on va faire planer jusqu'à là-bas. Ouais c'est bon, hop. Hop, hop. Un. Et deuxième coup de sabre, tchac. Oh non, la pièce elle est partie. Alors déjà, ici il y a un truc très important.
Ah bah voilà. Là c'est bien. Tac tac. Voilà. J'aime beaucoup ce gameplay avec Pepe Yo-Yo. Pepe Yo-Go. Horrible ce show, je sais. Alors, j'ai le fantôme. Oh non, par contre, le cœur, j'en ai besoin, je le prends. Hop, 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 voilà. Bon, par contre, la pièce, je veux la pièce, surtout qu'elle est safe. Voilà. Ce genre de couloir, maintenant je me méfie. Punaise, le nombre d'ennemis qu'ils ont mis, c'est humain? C'est un truc de damage boost ou qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de les battre, mais bon. Est-ce que c'est vraiment rentable la force? Bon, ça c'est pas compliqué. Si, en fait, c'est compliqué. Et j'ai bien fait parce que quand même les gouttes c'est important, du coup j'allais chercher. Ouais bon là damage boost rien à faire. Je prends toutes les pièces, je passe par la porte, rien à faire. Je vais même sauvegarder ici. Histoire de dire j'ai perdu qu'un seul PV. Bon ça c'était pas cool. Alors du coup je vais remonter. Oui je suis impitoyable. Parce que c'est un let's play, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. J'ai pas juste envie de jouer pour jouer quoi. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Attendez. Il y avait sûrement un truc en haut, mais tant pis. Bien, j'ai pas eu le temps de le baisser. Tchac, tchac, tchac. Je me baisse encore. Voilà. Ok. Je prends Pepe Yo-Go. Pepe Yo-Go et je suis même pas sûr que ce soit ça son la prononciation de son nom, c'est un peu sinon. Ok, là c'est safe plus ou moins. Oula, oula, ça va être chaud. La vache. Je suis content de l'avoir ce petit oiseau ou cette bulle avec des ailes, je sais pas comment appeler ça. Tiens d'ailleurs faut... non. Voilà. Ah non, non. Ah ouf, ça fait pas game over. Ça fait pas game over, ouf. J'avais cru pendant une seconde.
Tac, tac. Allez, hop. Oh non, c'est pas du jeu ça, c'est pas du jeu. Et... pas facile, hein. Ouais, c'est à ce moment-là que je me dis que Monster Boy a quand même fait de beaux choix pour mettre des points de sauvegarde assez rapidement, un peu partout. Ah, j'aime vraiment pas les niveaux de volcan. J'espère qu'il y aura un truc pour se soigner la vie après. Et hop. Hop. Et... voilà. La vache. Ouais, ça c'est sympa. Comment vas-tu faire si loin de ta quête? Es-tu prête pour le combat? Oui. Oh, tu es la petite fille qui voulait devenir un héros? Oui. Je suis presque désolé pour toi. Oh, punaise, je suis devant le boss et j'ai perdu la moitié de mes cœurs. YOLO. YOLO. Si tu cherches la bagarre, tu vas la trouver. Découvre le pouvoir du sorcier infernal. Bon, par contre, quand même, donner des PV avant le boss, c'est toujours bien. Bon, bah, par contre, je vois pas du tout comment faire pour le frapper, en fait. Je vais faire low state, hein. Peut-être qu'il faut utiliser le pépé yo-yo. Même pas. Oh, ok, faut s'éloigner. Et... punaise, la vache. Peut-être sauter au-dessus de lui pour le frapper en faisant un coup comme ça. Ok. Jack. Ah punaise, en fait on peut pas. J'ai pas de projectile. La vache. Il doit bien avoir un moyen de le battre plus facilement, un truc comme ça. Punaise. La vache. La puissance du truc. Punaise. C'est chaud. Ah. J'ai rien qui puisse le calmer. Punaise.
Ah, en plus, il a un temps d'invincibilité avant son premier coup. La vache. Il tape. Ouais bon, je vais peut-être voir si l'élixir ça suffit pour le battre. Attendez. Quoi? Ah mince, il y a une deuxième phase. En tout cas, il est super bien animé. Bon, par contre, cette phase-là était ridiculement simple. Ça m'a quand même fait utiliser un élixir quand même. Hein. Attendez, j'ai un petit dragon. Tu m'as sauvé. Merci. Je suis l'esprit de la terre, le démon de feu qui m'a pris en piège. Ici. Dans les profondeurs du volcan il y a très longtemps. Son cœur était sombre et il pouvait seulement voir ce qui lui serait bénéfique. Mais toi, je sens que tu es ici pour une raison différente. Je suis sûr que tu es celle qui est destinée à tous nous sauver. Tu es celle qui nous sauvera tous les quatre et qui rétablira l'ordre dans le monde. En tant que premier des quatre, je te donne ma bénédiction. Ouais, mais c'est quoi ta bénédiction, s'il te plaît? Bon ben, mission terminée, hein. Je fais une petite sauvegarde là et j'arrête l'épisode. A bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Monster Boy. Monster World, à plus. Et pourquoi ça... En fait, je voudrais quand même savoir pourquoi ça plante à chaque fois. Bref, à bientôt.